On a le plaisir de recevoir sur ce plateau la vice-championne olympique de kitefoil, Lauriane Nolot est avec nous. Ça va Lauriane ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, super. Alors t'as cette médaille autour du cou, la médaille d'argent. Quel est le premier mot qui te vient là quand tu la regardes ? Bah je suis carrément contente de l'avoir. Ouais. Elle est un peu lourde quand même, je commence à avoir mal au cou mais je vais pas me plaindre, ça va. Je sais qu'hier c'était dur pour toi parce que tu visais l'or et seulement l'or. Ouais. Mais j'ai vu une petite photo sur Insta quand même où t'as ta médaille devant la tour Eiffel avec le petit texte « C'est bon, je la savoure ». Oui, c'est bon, je la savoure. C'est vrai. J'étais et donc forcément bah ça fait mal, mais quand on rentre et qu'on a toute sa famille qui nous dit que ils sont fiers, qu'on a tous les Français qui sont venus voir, qui crient, qui sont trop contents, ouais. Bah moi automatiquement je me remets à sourire et du coup bah il y a toutes les bonnes énergies qui reviennent et maintenant je l'apprécie à fond cette médaille. Ouais, et puis quand même tu vois là on est dans nos studios où il y a que des médaillés olympiques en photo, ouais. Tu te dis aussi que tu fais partie de cette famille maintenant, c'est quand même quelque chose Lauriane. Oui c'est de relativiser entre guillemets et de se dire que je suis quand même vice-championne olympique pour mes premiers jeux, donc c'est, je pense que j'ai pas le droit de me plaindre. On rappelle hein, le scénario, t'étais en tête, la Britannique Eleanor Aldridge a remporté les deux régates de la finale, tu le dis, c'était compliqué, les conditions à Marseille, très peu de vent. Est-ce qu'il y a un peu de frustration, je suppose, peut-être le sentiment de pas vraiment avoir pu t'exprimer ? Oui, il y a forcément un peu de frustration parce que quand même, je suis arrivée en grande favorite, ayant gagné quasiment toutes les compétitions que je fais depuis 2 ans. Et là, on arrive sur une compétition où on a des conditions qui sont ultra spécifiques. On a que du vent léger tous les jours. On n'a pas utilisé un seul autre kite que notre plus grosse voile. Donc et en plus, c'est pas forcément mes conditions favorites. Donc ouais, c'était très dur mentalement, mais ça fait partie du jeu. Hein. On fait de la voile, on s'y attend. C'est l'aléatoire et c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport, je pense. Ouais, puis il y a eu aussi ce choix stratégique où tu décides de prendre une aile plus grande que la Britannique. Ouais. Bon, finalement, là maintenant, on a le résultat, donc tu peux peut-être dire que t'aurais fait autrement. Mmh. Mais toi, tu pensais que c'était la bonne stratégie à adopter, toi et ton staff? Oui, sur la première manche, on s'est dit que c'était la bonne stratégie. Le vent venait de rentrer et en tout cas, de ce qu'on avait vu toute la semaine, c'était même s'il y avait du vent annoncé, ça rentrait jamais vraiment parce que il faisait trop chaud pour que le vent s'intensifie. Et donc, on a un peu fait le même pari que les autres jours. Et au final, ce jour-là, le vent a décidé de monter plus, mais de monter qu'au large, là où on naviguait, et de disparaître de la plage. Donc, en fait, au final, je me suis retrouvée bloquée avec ma grosse voile au large. Et quand j'ai voulu aller changer, je pouvais plus. J'étais bloquée. J'étais bloquée sur l'eau. Et je me suis dit, c'était un choix. C'est un pari que j'ai pris. Et ça n'a pas marché. C'est comme ça. Lauriane, tu domines quand même la discipline depuis pas mal de temps maintenant, hein, sur le circuit mondial. Est-ce que là, après ces jeux, t'as le sentiment aussi que la concurrence frappe à la porte, j'ai envie de dire, qu'il y a plus de densité dans ta discipline ou... Oui et non, parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est une compétition, il n'y a eu que des conditions light, ouais. Très légères, et je sais déjà que l'anglaise, dans ces conditions-là, c'est ces conditions, quoi. C'est toutes les journées de compétition qu'on a eues dans de précédentes régates, les journées où c'est light, l'anglaise, elle sait se démarquer, et donc là, c'était clairement un événement pour elle. Et moi, je suis contente d'en être là. Je me dis que je pense qu'avec d'autres conditions, j'aurais pu masteriser bien plus cet événement. Ouais. C'est toujours les mêmes, non, sur le circuit. Je suppose que c'est une petite famille aussi. Le kite, tu les connais toutes, tes concurrentes, tu sais tous déjà les oui, analyser. Oui, les Top Guns, c'est tous les mêmes. Il y a des nouveaux qui arrivent, des jeunes qui montent en puissance, mais pour l'instant, on essaye quand même de garder nos places de leader. Nous, on a vécu l'ambiance à Paris, là, ça fait bientôt 2 semaines. Décris-nous un peu l'ambiance à Marseille, ça devait être quelque chose aussi. Ah, l'ambiance à Marseille, 12 000 personnes qui venaient chaque jour nous voir, crier quand je décolle mon kite, crier quand je mets mon casque sur la tête. C'était fou, c'était plein de bonne énergie, de good vibes, et c'était vraiment incroyable. C'est presque, je commence un peu à être nostalgique que ce soit fini. Et c'est peut-être pour ça, du coup, je suis venue à Paris pour que ça continue encore un peu. On a reçu des boxeurs aussi sur le plateau. Et justement, eux aussi ont vécu une ambiance de dingue à Roland-Garros. Et souvent, ils me disaient qu'ils n'arrivaient pas forcément à être connectés avec le public parce qu'ils sont dans une espèce de bulle pour se concentrer. Mmh. Est-ce que toi, sur ton kitefoil, tu arrives à être connecté au public, à t'en servir pour te transcender ? Moi, je me connecte au public, je pense, avant d'aller à l'eau. Ouais. Énormément, j'adore prendre toute cette énergie. Et pour nous, c'est que des bonnes ondes, hein, forcément, d'avoir tous ces gens qui nous portent, c'est ouf.
Mais après, une fois que je suis sur l'eau, dans tous les cas, j'entends plus rien. Je suis dans ma bulle. Je fais comme si personne ne me regardait et je suis tranquille, quoi. Tu peux nous décrire un peu, parce qu'il y a peut-être des spectateurs, des téléspectateurs qui ne savent pas forcément exactement ce que c'est le kite foil. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en compétition comme ça sur ton kite? Une sensation de voler, presque. Oui, bah voilà, ouais. Exactement. Nous, en kite, le kitesurf, c'est tout simplement, j'ai un cerf-volant qui me tire et j'ai une planche sous les pieds, mais qui vole au-dessus de l'eau grâce à un foil. Et donc, on est le sport le plus rapide des Jeux Olympiques. Et voilà, j'ai une sensation de voler, une sensation de liberté. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on fait la course, donc on est tout le temps côte à côte avec les concurrents. Donc, il y a une adrénaline aussi qui monte, une envie de doubler l'autre, de se surpasser. C'est beaucoup de sensations en un sport. Si, on voit d'ailleurs ces très belles images, c'est vrai que c'est magnifique. C'est une discipline aussi qui a fait son entrée dans le programme olympique seulement pour ces Jeux de Paris. Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après JO de Paris pour la discipline? Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Déjà, on a vu que le fait de rentrer au JO, ça s'est ultra professionnalisé. On est devenus des vrais athlètes, quoi. Alors qu'avant, on faisait un sport de plage, maintenant, on est des athlètes de haut niveau. Et ça se voit pendant la préparation olympique. Tout le monde a mis les bouchées doubles et je pense encore plus pour 2028 où là on a enregistré du nouveau matériel qui est encore plus performant, qui va aller encore plus vite, donc ça va être encore plus spectaculaire, je pense. Est-ce que dans le milieu du kite foil, tout le monde apprécie ça, que la discipline soit entrée dans le programme olympique? Je sais par exemple, tu vois, dans des disciplines comme le skate, le break, certains sont pour, certains étaient contre. Est-ce que c'est un peu pareil pour le kite foil? Non, je pense que pour nous, le kite foil, le fait de rentrer olympique, ça a énormément boosté la discipline. Et c'est génial parce que ça met en lumière le sport et ça pousse beaucoup plus de personnes à se mettre au kite. Et ça pousse à des vocations à plein de gens qui faisaient de la voile et qui ont changé pour faire du kite parce que c'est tout simplement plus fun. Et ce qui est beau aussi sur ces Jeux Olympiques, c'est que tu partages ça avec d'autres athlètes. Quand tu étais en chambre, je crois, avec Charline Picon, oui. Hein, qui a décroché une médaille de bronze. Ouais, elle est juste là. Ah ben voilà, ouais, je la vois. Justement, Charline, qui elle a vécu énormément d'éditions des Jeux, est-ce qu'elle t'a donné des conseils? Ce que je me suis demandé, est-ce que t'as donné certains petits tips pour bien appréhender cet événement? Elle m'a pas vraiment donné des conseils, mais je pense que rien que dans sa façon d'appréhender ces Jeux et de les vivre, moi j'ai puisé un peu dans son énergie. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas commencé en même temps. Elle a commencé avant moi, elle a même terminé avant même que je commence. Donc au final, après, elle m'a suivi tout le long de mes Jeux, elle est restée avec moi, elle m'a supporté, elle m'aidait à me coucher tôt le soir. Enfin vraiment, c'était... Quoi, c'était dur de te coucher tôt? Pour moi, c'est hyper dur de me coucher tôt le soir, et sauf qu'en compétition, on le sait, c'est difficile de dormir, donc de se coucher tôt, ça permet quand même d'avoir quelques heures de sommeil en plus. Et donc, non, franchement, elle m'a bien porté, et surtout qu'elles ont une magnifique médaille de bronze avec Sarah, donc elles avaient un peps d'enfer, et moi, j'ai pu me nourrir de ses énergies, c'était trop bien. Et toi, t'es plutôt du genre stressé avant les compétitions? Tu dis que t'arrives pas forcément à trouver le sommeil, c'est dû à ça? C'est dû à la pression d'avant compétition, ou c'est juste quelque chose... étrangement, j'ai quand même assez bien dormi sur ces Jeux. C'est juste, j'ai l'habitude de me coucher tard, et donc en compétition, j'essaie quand même de faire en sorte d'avoir mon quota d'heures de sommeil. Mais non, je suis plus stressée sur la plage quand je me prépare, quand je commence à me mettre en mode tu passes en mode super lolo, là tu vas aller naviguer et tu vas donner tout ce que t'as, et après une fois que je suis sur l'eau, ça déroule, quoi. J'ai l'impression que je suis un peu matrixée, en mode je deviens pas un robot mais presque, quoi. Ouais, la Lauriane de la vie de tous les jours est très différente de celle sur le kite. Ouais, vraiment, ouais. Là la Lauriane de tous les jours, c'est une Lauriane qui est un peu folle, qui est tout le temps en train de faire des blagues, de rigoler et tout, et après sur l'eau, je switch. Je pense ça se voit en plus aux images, j'ai une tête qui est hyper concentrée, vraiment focus à vouloir gagner des manches, quoi. C'est quoi le programme après là pour toi, Lauriane? Tu vas rester un peu, profiter de ces derniers jours des Jeux pour aller voir quelques épreuves, ou... Ouais, carrément. Ouais. Là, je vais profiter des Jeux à Paris jusqu'à la cérémonie de clôture. Et après, je vais quand même rentrer chez moi, profiter quand même de cette médaille avec ma famille, avec les amis, prendre un peu des vacances et après me remettre à naviguer tranquillement. Et puis ce soir, la célébration de ta médaille, ça va être quelque chose? Ouais, et ce soir, monter sur la scène, moi j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Tu m'as dit que tu t'étais un peu réservé en plus, là ce soir tu peux... J'ai un peu cassé la voie hier soir, mais j'ai fait en sorte de garder l'énergie quand même. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Lauriane. Merci. Profite à bien. Toi. Merci à beaucoup.